Une énorme grève a été annoncée à travers toute la France, entraînant l'annulation des cours dans tous les établissements scolaires, y compris les lycées, collèges, écoles primaires et maternelles, ainsi que les écoles supérieures. Cette mobilisation prend la forme d'un appel à la grève, marquant la première grande manifestation de l'année, centrée sur le secteur de l'éducation, en opposition aux réformes en cours. Les enseignants et l'ensemble du personnel éducatif participeront à cette grève le jeudi 1er février, entraînant l'annulation des cours à l'échelle nationale. Les informations détaillées seront communiquées par les enseignants au cours du mois de janvier. Et les élèves recevront des notifications par courrier électronique ou sur leurs environnements de travail numérique pour assurer une large diffusion de l'information. L'objectif de cette grève est de revendiquer des augmentations salariales significatives et d'améliorer les conditions de travail au sein du système éducatif. Oui, on a été productif ce matin. En termes de pourcentage de représentation, n'est-ce pas ? Intersyndicale n'est pas anodin puisqu'on a choisi à la fois devant le lycée Fourier et vous savez qu'aucun niveau n'est épargné par ce gouvernement, qu'on soit dans l'école primaire, dans les collèges ou dans les lycées, et voire au-dessus, tout le monde paye son tribut à cet management néolibéral. Et puis bien sûr, à côté de nous, vous voyez, l'école fermée, l'école des Brichères, et c'était important qu'on soit là aussi, puisque le premier degré. Et l'école des Brichères en est un symbole, et largement touché par les mesures de carte scolaire. Donc on aura l'occasion d'en parler, puisqu'on se déplacera jusqu'à la DSDEN, où là on vous expliquera que le mépris de notre institution ne s'arrête pas à notre ministre, la championne olympique de la boulette et du mépris, mais aussi au niveau de la DSDEN. Mais ça, on aura le temps d'en parler tout à l'heure. Donc on partira dans 10 petites minutes, le temps que effectivement tous les camarades aient eu le temps de se garer et de venir. Bien sûr, le micro et le porte-voix est ouvert. Il y aura des prises de parole des différents syndicats qui appellent aujourd'hui à cette manifestation. Donc je vous laisse échanger entre vous et puis on fera le point sur toutes ces écoles, toutes ces annonces, et puis on vous donnera aussi des rendez-vous importants pour continuer à lutter et à dénoncer pour l'école. Pour l'école publique et laïque. Merci à vous. Et on en est loin en ce moment. Code public et non au tricheur.
Bordeaux, on retourne dans les années 1970. Alors peut-être qu'on va nous autoriser à nouveau à fumer en classe, avec la cuisine, puisque c'est l'idée de la modernité de l'avenir de notre ministre. J'ai déjà commandé des gitans de maïs, on a du mal à en trouver. Comme au bon vieux temps, parce qu'avec ça au moins, on était bien. Et effectivement, à la cantine, c'est similaire, comme dans les années 70, avec l'autorisation de taper les élèves aussi, quelques bas, des bases pédagogiques, bien sûr. Thank you.
quelques camarades pour aider, puisque j'imagine que vous êtes chargé de nous maintenir. Puisqu'on parlait du passé tout à l'heure, on avait toujours la possibilité, on l'a toujours fait dans le respect des biens et des personnes, d'avoir accès aux devants de la DS2S, car l'éducation nationale, c'est nous! C'est nous au quotidien! C'est nous au quotidien qui accueillons à l'école publique et laïque tous les élèves! Tous les élèves et avec la mixte! N'en déplaise à notre ministre de l'Éducation! Oui, c'est fait exprès. Donc visiblement, on nous bloque ici. Est-ce que vous êtes d'accord? Non. On va éviter. Par le Dazen et on, je veux dire, en son absence, parce qu'il peut être appelé. Bonjour à tous, donc voilà le courrier qu'on va déposer tout de suite à l'inspecteur qui est censé nous recevoir. On va lui déposer et on partira parce qu'on n'est pas venu là pour discuter. On est venu avec l'inspecteur ASH. On est là pour porter les revendications des collègues qui sont nombreux aujourd'hui, qui sont en grève en majorité. Et donc on a décidé d'écrire le courrier suivant. Monsieur le directeur académique, aujourd'hui, 1er février, toute notre profession est mobilisée, avec l'ensemble des organisations syndicales qui appellent dans l'unité et un taux de grévistes de plus de 60%, des écoles entières fermées pour cause de grève, des collèges et lycées fortement mobilisés. Tous réclament l'annulation des 29 suppressions de postes dans les écoles du département, et des 66 ETP dans le secondaire, l'abandon des contre-réformes, la création des postes nécessaires dans les établissements spécialisés, un statut et un vrai salaire pour les AESH, le retrait des mesures de l'acte 2 de l'école inclusive, une augmentation immédiate de 10% de la valeur du point d'indice, dégradation des conditions de travail, profond mal-être des personnels enseignants et AESH, manque de postes et nouvelles fermetures de classes, difficultés liées à l'inclusion dans des conditions actuelles et manque de place dans les structures spécialisées, salaire indigne, culpabilisation et pression croissante, multitude de contre-réformes qui viennent aggraver encore et toujours la situation. Le tout sur fond de mépris ou de discours fallacieux, cette mobilisation l'atteste, l'école et ses personnels sont à bout. Et comme vous le savez, les parents et les élus dans de très nombreuses communes sont également mobilisés face au carnage de la carte scolaire, et face au manque de postes dans le second degré, blocage, rassemblement, pétition, opération école morte ou collège mort se multiplient ces jours-ci. C'est toute la communauté éducative qui rejette le saccage de l'école en cours. Comme pour chaque mobilisation, nous avons demandé à être reçus par la direction académique, ce qui a toujours été le cas jusqu'à présent. Mais aujourd'hui, alors que le mépris ministériel est au centre de l'actualité, vous vous permettez de ne pas nous recevoir. Ce n'est pas la première fois que vous déléguez les audiences syndicales à d'autres représentants de la DSDEN. Nous l'avons déjà déploré, d'autant que cela ne s'est jamais fait auparavant. Cette fois-ci, cela va plus loin, puisque seuls deux IEN, représentant donc leur seule circonscription, nous recevront. Aucun représentant de l'inspection académique ne peut donc prendre aujourd'hui le temps de recevoir les personnels et leurs représentants qui perdent une journée de salaire pour vous porter leurs revendications. Ni le secrétaire général, ni l'IA adjoint, ni vous-même ne considérez que les revendications et l'expression du mécontentement généralisé que nous portons ne vaillent la peine d'être entendues par les représentants départementaux de l'éducation nationale. Cela s'ajoute au constat d'une pression accrue sur les personnels, et notamment ceux qui tentent avec leurs organisations syndicales de défendre leur école avec les parents et les élus contre les innombrables fermetures de classes que vous avez prévues.
Nous vous avons alerté à ce sujet en F3SCT, mais cela se poursuit avec notamment des IEN qui viennent reprocher aux équipes la mobilisation des parents ou leur dire qu'ils ne seront de toute façon pas reçus le 7 février. Cette pression est inacceptable. Les collègues sont en droit de défendre leur école et notamment d'être reçus en audience avec les délégations et leur école. Comme cela s'est toujours fait, là encore, vous le remettez en cause. Les enseignants qui se battent la plupart du temps avec les parents et les élus pour préserver leur école d'une fermeture sont avant toute chose attachés à un service public d'éducation de qualité. Ils sont par ailleurs les plus légitimes pour exprimer la réalité du terrain et les besoins en poste. Ils doivent être reçus et entendus. Vous vous êtes présenté à nous lors de votre arrivée dans le département comme étant un homme de dialogue et de terrain. Vous ne mesurez peut-être pas à quel point la colère est grande, mais nous vous le disons, les personnels exigent d'être entendus et d'obtenir des réponses. Oui ! En cette période, tout laisse à penser que seul le blocage permet de se faire entendre. Est-ce là la piste vers laquelle vous nous invitez à nous diriger ? Monsieur le directeur académique, nous demandons que vous nous receviez en audience intersyndicale dans les plus brefs délais. Merci à tous. Je vais rajouter quelques mots par rapport au second degré, par rapport aux différentes réformes, et en particulier celle dont on ne parle pas suffisamment, qui concerne les lycées professionnels. Depuis maintenant plusieurs mois, l'ensemble des organisations syndicales dénoncent une réforme du lycée professionnel qui va finir de détruire cette voie. Cette voie qui accueille à l'heure actuelle un public souvent en difficulté, à qui il est prévu de retirer jusqu'à 170 heures de formation dans les matières générales, à qui il est prévu de fermer de nombreuses formations, en particulier dans les zones rurales, au prétexte d'en ouvrir certaines, sauf que pour l'instant, aucune des formations qui devraient ouvrir n'ont été évoquées. Ce même public, à qui on a fait croire qu'il était comme solution la possibilité de toucher une rémunération pendant ses stages. Cette rémunération effectivement existe, mais a servi de prétexte pour retirer tous les autres financements des lycées professionnels. Le seul objectif du ministère, en réalité, est de faciliter l'insertion via la voie professionnelle par apprentissage. Et la preuve en est, il est aujourd'hui de plus en plus demandé aux collègues de lycées professionnels de réussir à faire cours en accueillant des élèves issus de la voie scolaire classique et en même temps, dans les mêmes classes, des élèves issus de l'alternance et progressivement, au moins pour les BTS, des élèves, plutôt des étudiants, qui seraient en formation continue et donc des adultes. Comment espérer pouvoir faire progresser des élèves, des étudiants, ayant chacun trois rythmes et trois horaires différents? C'est pourtant ça que le gouvernement met en place à bas bruit, sans jamais en parler, et sans que nous-mêmes nous l'évoquions suffisamment. On théorise et on commence à le mettre au collège, et ça, les groupes de niveau, c'est ça, c'est un tri social. Et nous qui défendons l'école laïque et publique, on n'en veut pas. Retirer une heure de cours à tous les futurs sixièmes. Si c'est ça le choc des savoirs, déjà ça commence mal. Et en particulier, retirer d'abord aux élèves qui en ont le plus besoin, à savoir les élèves de SECPA. L'année prochaine, toutes les SECPA perdent entre 1h30 et 2h30 de cours. C'est inadmissible. Ensuite, cette heure de cours qui avait été volée à la technologie en sixième l'année dernière pour être donnée aux enseignants de maths et de français pour faire des groupes de besoins. Comme ces groupes n'existent plus, l'heure n'est absolument pas rendue aux collègues de technologie pour faire de la technologie. On va s'en servir pour faire ce qu'ils appellent donc des groupes de besoins. On sait très bien que ces groupes-là, tous les chercheurs en sciences de l'éducation disent que c'est pas en créant comme ça du tri social qu'on va faire progresser les élèves. Les élèves qui seront mis de côté pour être en groupe ne vont pas forcément apprendre mieux, et ceux qui seront en classe où il y aura plus de, où ils seront plus chargés, c'est pas forcément ainsi qu'ils vont réussir mieux. Nous, on veut absolument un collège où tout le monde peut apprendre ensemble. On veut effectivement pouvoir avoir des moyens pour dédoubler quand il y en a besoin, mais dédoubler, ce n'est pas ségréguer. Le choc des savoirs, c'est avant tout de la ségrégation, ça nous paraît inadmissible. Cette mobilisation, ce n'est pas une fin en soi. Déjà, on a des rendez-vous à vous donner dès la semaine prochaine. Alors,
Suivez bien l'actualité déjà, parce que dans beaucoup d'écoles, les parents se mobilisent contre la fermeture. Alors je ne peux pas toutes les citer, parce qu'il y en a 51 fermetures, imaginez bien. Mais regardez bien, ce matin, il y avait une école, Maligny, pour ne pas la citer, qui était ici. Mais beaucoup d'écoles se manifestent avec les élus. Des élus qui souvent ont investi dans l'école parce qu'ils savent que l'école, c'est l'avenir des enfants. Et à qui on dit, eh bien, votre investissement, écoutez, on s'en moque un peu puisque nous, on va fermer votre classe. Sous prétexte de déprise démographique. Ça, c'est insupportable. Et pour le dénoncer, on vous donne rendez-vous le mercredi 7 février, de nouveau ici, et on fera ouvrir la grille. On fera ouvrir la grille. Et si elle n'est pas ouverte, on escalade, effectivement. Ben, faudra me porter, par contre, parce que je ne suis pas très souple, mais il y aura des personnes. En tout cas, le mercredi 7 février à 14h, parce que nous, on aura un groupe de travail déjà le lundi, les représentants du personnel, pour défendre chaque classe, pour défendre chaque collège, contre des DAG insuffisantes, contre ces groupes de niveau qui vont impacter gravement à la fois nos conditions de travail, mais aussi les conditions d'apprentissage des élèves. Et on va continuer. Le mardi, ceux qui sont sur le Migénois, à partir de 10h, le collège Paul Fourré, qui est aussi gravement impacté par la DAG, sera en grève et manifestera, on peut les applaudir, à partir de 10h devant leur collège. On l'a vu, avec tous les collèges sont touchés. Le collège de Puisé en tête, à qui on supprime 46 heures. C'est insupportable, à qui? Alors que l'an dernier, on a déjà supprimé le collège de Blénaud. Qu'est-ce qu'on veut? On veut qu'il n'y ait plus d'école dans ce département? Comment voulez-vous rendre ce métier attractif? Comment voulez-vous rendre cette région attractive en fermant les écoles? On est là pour le dénoncer, on est là pour se battre, pour obtenir les moyens. Et ça, on peut le faire que collectivement. Donc merci à vous toutes et tous d'être là aujourd'hui. Bam, madame. Vous pourriez repartir au tennis, vous pourriez repartir toucher vos 500 000 euros. Alors n'hésitez pas. Donc je vous ai dit rendez-vous, bien sûr, pendant 10 ans, hein, mais rendez-vous le 7 février, mercredi à partir de 14h, ici, devant ces grilles. Et on espère devant la DS2N, puisqu'il doit recevoir le DAZN, là sera là, puisqu'il va recevoir des délégations. On espère qu'il recevra toutes les délégations, en tout cas l'intersyndicale sera là, pour forcer, pour que l'engagement qu'il avait fait auprès de nous, c'est-à-dire à recevoir toutes ceux et toutes celles qui le voulaient, eh bien ils le tiennent, on lui rappellera ses paroles. Depuis des années, d'imposer des HSA aux collègues. Je pense que notre métier est passionnant, mais il est devenu de plus en plus difficile et il est dégradé chaque année par les réformes successives de ce gouvernement ultralibéral. L'école doit être la priorité de ce pays, comme l'avait annoncé. C'est pas en détruisant les postes qu'on vous donne un bon signe à l'éducation nationale. C'est pas un bon signe aux futurs étudiants de vouloir rentrer dans un métier qu'on maîtrise. Partout, dans tous les services publics, et que partout les gens réclament à pouvoir vivre de leur travail, la question se pose vraiment maintenant de discuter partout, dans tous les établissements, dans toutes les écoles, de la suite à donner et de prendre position pour s'organiser ensemble sur nos revendications et pour se demander comment faire pour gagner et pour les faire reculer. Là, on a de plus en plus de refus de la part de l'administration d'échanger, de discuter. Le dialogue social a fait son temps. Il est temps d'aller plus loin et de se retrouver, de se réunir et de continuer. Le prochain rendez-vous, ça a été dit, le 7 pour la carte scolaire. Mais au-delà de ça, il faut qu'on continue aussi. Alors, moi, je vais juste vous refaire une petite liste que j'avais envoyée à tout le monde il y a 15 jours. Parce qu'effectivement, il y a de moins en moins de classes, mais il y a de plus en plus de problèmes. Donc je vais vous citer quelques petits problèmes chiffrés que vous connaissez tous. Par exemple, une volonté de détruire 98 postes pour le premier degré dans l'académie.
après une baisse de 72 postes pour la rentrée 2023. Nos dirigeants veulent poursuivre la dégradation. Si notre académie est la 18e par rapport au nombre de PE, elle connaît nationalement la 5e plus grosse baisse de France. Pour le SE-UNSA, même si le nombre d'élèves diminue, écoutez ça, seulement de 1,2%. Les suppressions ne sont pas justifiées. Les enseignants disent que les élèves ne sont pas des numéros. Faire des moyennes et des mathématiques n'a plus aucun sens actuellement. Les difficultés de remplacement qui impactent fortement nos conditions de travail. L'obligation de répartir les élèves des collègues non remplacés dans certaines circonscriptions. Il n'y a plus aucune formation pour les enseignants. Il n'y a pas de formation quasiment pour les AESH. Les stagiaires doivent se former maintenant sur les vacances. Je continue la liste. Des refus d'autorisation d'absence en masse pour des rendez-vous médicaux, pourtant justifiés. Des refus pour des obsèques ou alors sans traitement. Les manques de moyens dans nos RASED, quasi absence d'enseignants option G. Manque de psychologues, pas assez d'enseignants E, et ceux qui restent frôlent l'épuisement. L'inclusion qui n'est pas un progrès quand elle maltraite ses élèves, ses enseignants et ses AESH. Pour les élèves, trop de temps d'accompagnement non respecté, revu à la baisse, sans consultation des équipes et des familles et des AESH. Un employeur qui ne répond jamais à l'urgence des situations en termes de moyens et ne protège pas ses personnels. Aucun protocole d'urgence n'existe pour les situations qui le nécessitent. Des élèves en difficulté, voire très perturbateurs, ne sont pas pris en charge parce qu'il n'y a personne pour s'occuper d'eux. Un temps de travail invisible qui explose. Des réunions de plus en plus nombreuses, avec une liste de partenaires sans fin. Des missions de plus en plus complexes, pour le premier comme pour le second degré. Sans temps donné pour les assumer hors la classe. Ce à quoi j'ajoute un temps d'accueil pour les récréations d'1h20 par semaine qui est totalement bénévole. Pour finir, pour le second degré, quelques chiffres. Une volonté actuelle de détruire 60 postes dans le second degré dans notre académie. L'année dernière, c'était déjà 99. Malgré l'annonce du ministre de créer nationalement, paraît-il, 574 postes à la place des 484 suppressions, notre académie, me semble-t-il, perd des postes. Monsieur le ministre nous ment. Si notre académie est la 20e par rapport au nombre de professeurs, elle connaîtrait malgré tout la 2e plus grosse baisse. Ce à quoi s'ajoute que la baisse des effectifs dans le second degré, malgré tout, n'est que de seulement 0,7%. Nous sommes donc opposés à toutes ces suppressions. D'ailleurs, rien ne prouve que les postes soi-disant créés soient occupés, vu que plus personne ne veut passer le concours enseignant. Notre métier n'attire plus. Félicitations, oui. Vraiment, je pense qu'on peut, s'applaudir tous ensemble d'être venus aujourd'hui, d'avoir constaté, même si on a été un peu méprisés. On va bien sûr libérer la voie parce que nous, on est responsables. Et puis, par contre, ça, on le fera savoir au préfet, parce que la décision de ne pas nous laisser rentrer devant l'inspection académique nous a obligés de venir ici. Et donc, c'est un problème de sécurité. Je pense que le préfet appréciera le fait qu'on nous interdise de manifester calmement et de nous obliger, quelque part, à venir bloquer la voie. Merci à vous toutes et à vous tous. Faites bien attention à vous. Et à très bientôt. Merci encore.